dîner était une première ordre, Sylvie. Tu pourras dire ça par la main. Oui, c'est vraiment excellent. Bon, quoi. Je traite Gérard comme quelqu'un de la famille et je suis sûr que tu ne vois pas l'inconvénient. Mais si, donc tu vois quelques inconvénients, Gérard. Je m'en garderai bien. Il y a assez longtemps que je désire arriver à ce résultat. Vous savez bien que s'il n'avait tenu qu'à moi. Mais oui, elle le sait. Oui, mais pourtant l'été dernier, quand vous avez disparu, je me demandais si vous le désiriez tellement. Gladys, je vous ai déjà expliqué qu'à ce moment-là, j'avais un tel travail à l'usine. Oui, oui, que je vais l'explication que vous me donnez. Ne t'inquiète pas. Quand tu seras mariée, tu comprendras que les hommes qui ont une grosse situation sont obligés de consacrer la majeure partie de leur temps à leurs affaires. Et il faudra bien que tu t'habitues à cette idée, comme je m'y suis d'ailleurs habituée moi-même. Eh bien, je crois que je ne m'y habituerai jamais. En tout cas, faites attention. Je vous promets. Ah, voici le porto. Merci, Edna. Je crois, Gérald, que vous trouverez mon porto assez bon. Pêche manique, c'était exactement le même que celui réservé à Sir George. Alors, il doit être excellent. Mon père se flatte d'être connaisseur. Moi, j'avoue humblement ne pas pouvoir en dire autant. Il ne manquerait plus que ça, Gérald, que vous vous y connaissiez comme tous ces vieux messieurs apoplectiques. Hé là, je ne suis pas un vieux monsieur apoplectique, moi. Non, pas encore. Voyons, Sylvie, prends-en un peu. Ce soir n'est pas tout à fait un soir comme les autres. Mais oui, maman, il faut absolument que tu boives à notre santé. Bon, ouais, on me laisse faire. Edna, pour le café, je vous sonnerai. Bien, madame. Gérald, je vous ai servi. Il y a une chose dont je voulais vous parler pendant que nous sommes seuls. Asseyez-vous. J'ai vaguement l'impression que votre mère, tout en n'ayant rien à redire sur ma fille, a le sentiment que vous auriez pu faire un plus beau mariage. J'entends socialement, je le suis. Monsieur. Non. Inutile, il ne faut pas lui en vouloir. Lady Croft appartient à une des plus grandes familles de la région. Et sa réaction est plus naturelle. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai de sérieuses chances de figurer dans la prochaine promotion. Vraiment. On m'a laissé espérer la chose. L'homme de côté, je crois que j'ai une sérieuse chance de ne plus être simplement Monsieur Birley. À condition, bien évidemment, que nous nous conduisions bien, que nous n'ayons pas d'ennuis avec la police, et que nous ne soyons pas mêlés à un quelconque scandale, n'est-ce pas? Je n'ai guère d'inquiétude, vous m'avez l'air d'une famille plutôt convenable. Je crois qu'il y a pire que vous. Alors si c'est le seul obstacle, je pense que vous pouvez accepter dès maintenant mes félicitations. Et je pense que tu pourrais vous ménager un petit peu, hein. C'est dans le discours. Oui, l'occasion de réclamer, mon petit. Et puis, tu verras lorsque toi aussi tu auras mon âge, si toi, tu ne feras pas bénéficier de ton expérience. Pardon, monsieur. Il y a un inspecteur qui vous demande. Enfin, une dame qui se dit inspecteur. Une femme inspecteur? Quel genre d'inspecteur? Un inspecteur de police. Elle a dit son nom, Margaret Gould. Margaret, connais pas. Elle dit, j'aimerais voir. Oui, monsieur, elle dit que c'est important. Eh bien, faites-la entrer. Je ne suis plus maire, mais je suis toujours juge de paix. Il s'agit sans doute d'une signature quelconque. L'inspecteur Gould. Monsieur Birling? Oui. En fait, comment doit-on dire, madame, inspecteur, inspectrice? Inspecteur sera bien. Eh bien, asseyez-vous, inspecteur. Merci. Non, merci, monsieur Birling, je suis en service. Cet après-midi, une jeune femme est morte à l'hôpital. On l'y avait transportée parce qu'elle avait avalé le contenu d'un flacon de sublimé. Cela, bien sûr, lui a brûlé tout l'intérieur. Quelle horreur! Oui, elle a atrocement souffert. À l'hôpital, on a tout fait pour la sauver, mais en vain. Un suicide, naturellement. Oui, c'est une histoire d'avance, mais je ne vois pas ce qui vous amène ici, inspecteur. Moi, je ne suis que juge de paix.
Et c'est l'affaire du coroner de définir à l'enquête s'il y a ou non suicide. Mais quelle importance maintenant qu'elle soit reconnue coupable ou innocente de sa propre mort? C'est la loi, Eric, et elle est juste. Je les ai pris au bureau. Au bureau? À mon bureau, oui! Vous voulez dire que vous avez volé cet argent? Mais non, pas exactement! Comment ça, pas exactement? Je suis désolée, John. Il fallait absolument que je sache ce qui se passe. Eh bien, je vais te dire ce qui se passe. Ton fils vient d'admettre qu'il était responsable de l'état de cette fille. Et maintenant, il est en train de nous apprendre qu'il l'a entretenue avec de l'argent volé au bureau. Voilà! Eric, tu as volé de l'argent? Mais pas exactement, j'avais l'intention de le rembourser. Oh, on a déjà entendu cette histoire. Comment aurais-tu pu le rembourser? Je me serais débrouillé d'une manière quelconque, il me fallait de l'argent. Je ne comprends pas! Comment tu as pu prendre une pareille somme au bureau sans que quelqu'un s'en aperçoive? Il y avait des factures à régler, j'ai demandé à être payé en espèces. Tu as donné des reçus de la firme et gardé l'argent? Oui. Il va falloir que tu me dresses la liste de ces factures. Espèce d'idiot, pourquoi n'es-tu pas venu me trouver quand cette tuile t'est tombée sur la tête? Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas vraiment le genre de père qu'on va voir quand on a des ennuis, voilà pourquoi! Ne parle pas sur cet homme! Je n'ai pas le temps d'écouter plus longtemps vos récriminations! Vous vous répartirez la responsabilité quand je serai parti. Encore une question et ce sera tout. Eva Smith a découvert que l'argent que vous lui donniez était de l'argent volé, n'est-ce pas? Oui, ça a même été le pire. Après cela, elle n'a plus rien voulu accepter de moi. Elle a même refusé mon argent. Mais comment vous savez ça? C'est elle qui vous l'a dit? Non, elle ne m'a rien dit. Elle ne lui ai jamais parlé. Elle l'a dit à maman. Gladys, il faut bien qu'il le sache. Elle te l'a dit? Alors elle est venue ici? C'est que ça fait une certaine différence, je dirais même que ça change tout. Je suppose que nous sommes tous...
maintenant? Si tu n'as rien de plus sensé à dire, Gladys, tu ferais mieux de te taire. Oui, mais elle a raison, pourtant. Moi aussi, tu ferais bien de te taire. Car si cette femme avait été un inspecteur de police et qu'elle t'a entendu avouer. John! Vous voyez, Gérald, vous n'avez même pas le droit de connaître le restant de nos crimes et de nos faiblesses. Évidemment, quelqu'un a incité cette femme à venir nous mystifier. Il y a à Bromley des gens qui me détestent assez pour ça. Nous aurions dû nous en douter dès le début. En temps ordinaire, je crois que je n'aurais pas donné dans le panneau. Mais venant comme ça, brusquement, sur notre petite fête de famille... Je regrette bien de ne pas avoir été là quand elle est arrivée. Ah, on peut toujours dire ça maintenant. J'ai été la seule d'entre vous qui n'y ait pas cédé. Et à présent, je pense que nous devons parler tranquillement de cette histoire et décider s'il y a quelque chose à faire. Tu as absolument raison, ma chérie. Eric, assieds-toi et ne reste pas planté là comme si... Comme si quoi? Comme si tu n'avais rien de commun avec nous. Si quelqu'un jusqu'au cou dans cette affaire, c'est bien toi, alors tu ferais bien de t'y intéresser un peu. Mais je m'y intéresse, et je m'y intéresse même trop, malheureusement. Moi aussi. Eh bien, écoutez-moi, vous deux. Le moins que vous ayez à faire, c'est vous tenir tranquille et de nous épargner vos commentaires. J'avoue que les mystifications de cette femme nous ont un peu troublés. Mais nous l'avons démasqué. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder notre sang-froid. À présent, c'est notre tour. Notre tour de quoi faire? De nous comporter d'une façon sensée, Gladys. Ce qui, je le crains, est au-dessus de tes forces. Mais à quoi bon parler de se comporter de façon sensée? Cette jeune fille est toujours morte, n'est-ce pas? Personne ne l'a ressuscitée, que je sache. Inspecteur ou non, il n'en demeure pas moins que j'ai fait ce que j'ai fait. Que maman a fait ce qu'elle a fait et que vous avez tous fait ce que vous avez fait. Que cette histoire ait été racontée à un inspecteur de police ou à quelqu'un d'autre, c'est toujours la même sale histoire. Autant que vous le sachiez, Gérald, oui, j'ai volé de l'argent parce que j'avais mis cette jeune fille enceinte. Mais ça m'est égal qu'il le sache. Ce qui est important dans cette histoire, ce n'est pas l'argent, c'est ce que nous avons tous fait à cette jeune fille. Et là-dessus, moi, mes sentiments n'ont pas changé. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'humeur à m'asseoir et à parler gentiment. Eric a absolument raison. Mais bon Dieu! Excuse-moi, ma chérie, mais ils sont tellement exaspérants. Mais cette pauvre fille est toujours morte. Et toi, tu vas cesser de hurler comme ça ou tu vas devenir pire. À ma place, plus d'un père t'aurait déjà chassé de chez eux. Mais alors si tu veux rester ici... Mais si tu savais que je m'en fous maintenant de rester ici ou de m'en aller. Eh bien, tu resteras le temps de me rendre compte de cet argent et de le rembourser. Ce n'est pas ce qui ressuscitera Eva Smith. Et ça ne changera rien au fait que nous avons tous contribué à la tuer. En êtes-vous sûr? C'était la police. Une jeune femme vient de mourir pendant son transfert à l'hôpital après avoir avalé du sublimé. Un inspecteur de police est en route. Il vient nous poser quelques questions. Thank you.